il est le tout premier responsable de ce ministère, le ministère de la compassion des âmes. Bien aimé, ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Jacques Lassau Shalom, que je demande à mon épouser. Oui, papa, vous avez la parole. Seigneur, compris le Seigneur, que ton nom soit béni pour ta souveraineté, par ta puissance, je te bénis, Hachem, pour le Dieu des étoiles, le Dieu suprême, le Père de l'univers, merci pour cette grâce, merci pour la grâce qui te fait encore pouvoir t'exprimer à ton peuple, que le nom de ton nom soit béni, utilise ma personne, faire du bien, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse, shalom à vous. Amen. À chacun d'entre vous. Amen. Voilà, je vous parle depuis Paris. Je suis à Paris pour le Dieu de tout à l'heure. Voilà, je suis à Paris pour le Dieu de tout à l'heure. Je suis arrivé hier de Lyon. Mon culte de tout à l'heure. Je suis rendu tout à l'heure par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu tout à l'heure. Et ça va tellement bien jusqu'à 20h30, et puis ça va tout le temps jusqu'à 20h30. Parce qu'on aura un merveilleux culte aujourd'hui sur Paris. Voilà, dimanche passé, on a eu un merveilleux culte, donc on aura un autre merveilleux culte encore aujourd'hui. On va détendre jusqu'à 20h30 comme ça. Donc, soyez bénis, Dino. Amen. Très heureux de vous revoir encore ce dimanche. Amen. Qui vous fortifie, voilà davantage, que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Amen. Alors à lui seul la gloire pour ses merveilles, à lui seul la gloire pour sa bonté. Jésus n'est pas haut.
Jésus dit pas haut. Allez, qui n'est pas Jésus, allez, qui n'est pas haut. Allez, qui n'est pas Jésus, qui n'est pas haut. Élie est là, qui n'est pas haut. Ah. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que vous bénisse davantage. Ce merveilleux culte que nous sommes en train de faire, célébrer, que son nom soit béni durant toute une semaine. Voilà. Le Seigneur a fait du bien à chacun d'entre nous. Il est vraiment important pour nous de le célébrer. Voilà, de se mettre là au moment du culte, où lui rendre toute la gloire parce qu'il nous mérite. Que la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel. Voilà, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, que son nom soit béni. Voilà, ceux à lui seul la gloire. Je bénis le nom du Seigneur pour l'orphelinat, la fondation. Nous remercions le Seigneur parce que l'examen du CP, voilà, entre un sixième, ça y est, il y a eu 100%. Ça veut dire tous ceux qui ont présenté entre un sixième sont tous passés en classe supérieure. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur aussi pour ceux qui ont eu aussi qui ont eu le bac. BPC. Voilà, qui ont eu le bac et tout ça. Donc, il y a eu tellement de. BPC, plutôt BPC, il y a aussi, qui est parti aussi en terminal, il y a eu pas mal de merveilles au sein de la fondation. Je bénis le nom du Seigneur pour cette fondation. La fondation Prophète Joël Crasso, située dans les quartiers de Vatican, elle a été sous-inspirée, c'est-à-dire sous inspiration. Vous savez très bien comment je suis arrivé à Divo, avec ma vie, vous allez dire, quand je disais un village qu'on appelle Sarko. Alors, le Seigneur nous a puissamment utilisé pour édifier ce village. Et le Seigneur nous a demandé de mettre un centre à Divo. C'est ce que nous avons montré par la grâce de Dieu. Et il nous parle des années 2013. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'inspiration de Dieu de mettre une fondation. On doit investir dans cette fondation et aider les enfants en difficulté par la grâce de Dieu. Je vous informe que la fondation n'a pas de subvention. Voilà. Elle a été construite par la grâce de Dieu. Et la subvention n'a pas de subvention ni de la mairie de Divo, ni de la subvention de l'État. Heureusement que c'est des hommes de bonne volonté, je dis dit merci pour ceux de temps en temps qui nous apportent leur soutien. Voilà leur soutien en fait de pouvoir soutenir cette fondation. Nous disons merci au Seigneur pour ça. Voilà, de temps en temps. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment heureux. Je vois que les enfants qui n'ont ni père ni mère, d'autres sont orphelins de père, ils sont aujourd'hui heureux. Voilà, dans cette fondation, parce que c'est ça le combat que nous menons. C'est la Bible dit de s'occuper des peuples et des orphelins. Voici le combat. Voilà. Dans la vie, il faut s'occuper des gens. Il faut aider les gens. Voilà. Il faut aider les gens. On n'a pas besoin d'être forcément le prophète Crasso, mais il faut aider les gens. On n'a pas forcément besoin d'être milliardaire. Je ne suis ni monsieur milliardaire. Ça va, Béli. Je suis rentré dans cette gare. Je ne suis ni monsieur milliardaire, ni monsieur millionnaire. Mais le peuple Dieu me donne, je partage ça avec les nécessités. Je partage ça avec les gens qui en ont besoin. Je partage ça avec les gens. Et les preuves sont là. Voilà. Ceux qui pensent que ça part, j'ai une fondation. Ou aussi, vous voulez visiter cette fondation, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde par la grâce de Dieu. Comme je disais, nous avons un agrément. L'État, on est officiellement reconnu par l'État. On a un agrément, c'est-à-dire qu'on est dans le journal officiel de l'État, donc on est reconnu. Et pour qu'un orphelinat ou une ONG, je sais que c'est qu'on veut se mettre en place, il y a ce qu'on appelle les enquêtes de moralité. Donc on passe, on nous a envoyé des gendarmes, des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont venus mener une enquête de moralité sur nous, et notre manière de voir les choses. Et par la grâce de Dieu, maintenant, j'en ai qu'on a mené des enquêtes sur vous, ben, vous êtes de bonne moralité, ben, vous méritez d'avoir l'agrément de l'État, gloire à Dieu. Alors, Dieu merci, aujourd'hui, la fondation fonctionne, mais avant qu'il y ait la fondation, mon combat, je le menais pour, et j'ai dit que le problème de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. Alors, je menais le combat pour scolariser les enfants des villages. Et ça, je l'ai fait à Bor, je l'ai fait à Zaropo, c'est mon combat. Le problème de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. C'est vrai qu'on a un problème spirituel, mais nous sommes aujourd'hui, en 2019, faisons le point. Aujourd'hui, les Africains n'évoluent pas. Parce que j'ai un problème, je ne mets pas l'accent sur l'éducation. Alors, si nous voulons au-delà de la religion, si nous voulons avancer en Afrique, il faudrait commencer par les enfants.
pour commencer à parler d'une génération, amener les enfants à l'école. Donc je vous encourage à amener les enfants à l'école. Je n'ai pas forcément dit de venir investir, de vous investir dans la fondation pour faire crasso. Non. Si vous voyez un enfant dans votre quartier et que vous avez la possibilité de l'aider, aidez-le. Pour qu'un enfant du quartier devienne quelqu'un demain et devienne, n'est-ce pas, utile à la société. Et ça, c'est le plus important. Vaut mieux aider les gens qui les détruisent. Alors, aidez les enfants, mettez-vous à leur disposition, aidez les gens. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les peuples, voilà, les peuples aussi, vous devez soutenir, ça c'est vraiment important. Et dans la vie, il faut toujours faire du bien. Parce que tout ce qu'on fait, on le paye. Et il faut plus se faire du bien que de faire du mal. Voilà, l'énergie que nous avons, les énergies que nous avons, que Dieu nous donne cette force, faisons plus de bien que de faire du mal aux gens. Voilà, donc, faites plus de bien et que de faire du mal aux gens. Voilà, donc, je vous exhorte à avoir ça dans la tête, à envie d'aimer son prochain, c'est un commandement. Et c'est un commandement. Ça veut dire, tu n'as pas, ton avis ne compte pas. Un commandement, il faut le exécuter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu aimerais voir tes enfants réussir dans la vie. Alors, il faut aider aussi les enfants d'autrui. Tu peux aussi aider les enfants d'autrui. Aider les gens en pensée. Alors, j'ai béni le nom du Seigneur pour la fondation pour faire Casso. C'est l'orphelinat. Tout va bien par la grâce de Dieu. Merci pour ceux qui nous apportent le soutien de temps en temps. Voilà, c'est pas facile, de temps en temps. Voilà, et qui fait avancer l'œuvre de cette ONG. Que le nom du Seigneur soit béni. J'étais très réjoui de comprendre que les enfants sont très réjouis. Et puis encore, bien encadrés. Bien encadrés. Nous avons mis un système en guerre. On aurait essayé des systèmes informatiques. Alors, cette entrée scolaire, nous avons mis plus l'accent sur l'éthique du système informatique pour permettre aux enfants de pouvoir maîtriser l'outil informatique. Alors, c'est ce que nous faisons pour la contribution, notre contribution par rapport au développement de notre nation. Parce que même si on est homme de Dieu, quand on est chrétien, on est aussi citoyen d'une nation. Alors, j'aimerais que l'exemple, notre exemple soit oublié partout en Afrique, que ce soit en Guinée, en Afrique, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Libéria, que ce soit au Tchad, et que ce soit au Cameroun, un peu partout dans le monde, et que l'exemple, notre exemple soit oublié, et que les enfants mettent beaucoup l'accent sur l'éducation des enfants africains. En fait, que demain, ils puissent avoir un résultat. On récolte ce que l'on sait. Si aujourd'hui, nous laissons les enfants, ils n'y vont pas à l'école, mais demain, c'est l'Afrique qui va sombrer, parce que c'est une génération qui meurt, une génération là, et une génération reprend la relève. Alors, qui a préparé la relève? C'est quelle relève nous préparons? Les enfants qui ne sont pas éduqués, et puis demain, on dira qu'ils sont les microbes. Mais non, ils vont se retourner demain contre la société, et demain, on va les appeler les enfants qui ont conflit avec la loi. Alors, on n'a pas besoin forcément de l'État, je n'ai pas besoin forcément de l'État, j'ai une volonté, je vois ma nation, je vois les enfants en difficulté, je suis dans un domaine religieux, et je vois des enfants qui souffrent, je vois les enfants qui sont maltraités, alors il faut les protéger, c'est ce que nous faisons, nous les protégeons, nous leur apportons. Donc, une éducation d'État, nous les aidons par la grâce de Dieu. Mais vous savez, quand tu fais du bien, ils vont forcément t'attaquer, mais tu ne cesseras jamais de faire du bien, il faut continuer, parce qu'on ne fait pas du bien pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai toujours dit, je ne suis pas investi dans le fil-là pour faire plaisir à quelqu'un, parce que je suis l'enfant du père et du père, et c'est ce qu'on appelle un enfant souffre. Alors donc, je bénis le nom du Seigneur pour cette fondation. Merci aussi pour vous qui priez pour cette fondation. Merci pour ceux qui soutiennent cette fondation de loin et de près. Et que le Seigneur continue de vous bénir, que le Seigneur continue de vous visiter, que sa grâce abondante soit reçue chacun d'entre vous. Recevez la grâce de la part de l'Éternel, de Dieu des Hébreux, qui continue de vous bénir, qui continue de vous assister. Je suis mon mentor le jour pour le résultat, parce que c'est important. Les enfants là, nous tiennent beaucoup à cœur. Nous prions aussi pour aider encore plus d'enfants dans la région de Divo, de notre doigt, et plus d'enfants encore, un peu partout, en fonction des moyens que Dieu nous donnera, par la grâce de Dieu. Je verrai le tour d'Afrique, parler un peu de l'éducation africaine. Il faut que nos parents africains ramènent les enfants à l'école, et que ça soit une priorité dans chaque famille africaine, que ça soit la priorité de pouvoir apporter une éducation à chaque enfant africain. Et ça, c'est beaucoup important. Si aujourd'hui, je n'étais pas là à l'école, je ne pouvais pas lire, parce que quand on n'est pas là à l'école, excusez-moi, je ne suis pas en train de penser à quelqu'un, c'est un handicap qui est bloqué par rapport à la société. On dit ici, on ne passe pas, c'est interdit de passer. Oui, souvent on dit chien méchant, tu ne sais pas, le chien va te mordre. C'est que la rouge. On dit si la chien méchant, il y a un berger allemand, il est méchant. Toi, tu ne sais pas, Zadi, tu ne sais pas, lui. Mais Zadi, tu ne sais pas, lui, il s'en fout de ça. Le chien s'en fout de. Tu ne sais pas, lui. Tu ne sais pas, qui on dit, il y a un chien, mais c'était écrit. Non, c'était écrit là-dessus, il n'a pas vu, mais le chien va te mordre. Donc, ça dit qu'on ne sait pas lire. Aujourd'hui,
dans les arts repos. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire, hey, monsieur, monsieur, on a écrit quoi? Qui va tuer à ton temps dans les arts repos? On n'a même plus besoin. C'est écrit, c'est pas lié. Tu sais, dit mon frère, ici en Europe et partout dans le monde, on n'a plus besoin de demander à quelqu'un. Aujourd'hui encore, c'est encore grave. À l'arrêt repos, quand tu veux voyager, c'est les machines. Même les gens ne peuvent pas t'aider. C'est les machines, tu as tapé ton ticket, tu balais ton ticket. C'est-à-dire que le monde évolue. Alors, évolution en fonction du monde. Et ne mettez pas vos enfants en retard en fonction de ça. Ne mettez pas vos enfants en retard en fonction du système de l'évolution. Alors, le monde évolue et le monde va dans une éducation. Éduquons nos enfants dans le bon sens. Voilà, éduquons nos enfants dans le bon sens. Alors, en fait, que nos enfants puissent demain, n'est-ce pas, être utiles demain à la société. Alors, je tenais à vous dire que c'est vraiment important d'éduquer nos enfants, de leur apporter une éducation. Alors, si cela dépendait de nous, aidons chacun, aidons les gens autour de nous. Apportons quelque chose de bien. Et comme ça, nous allons apporter quelque chose de bien. Parce qu'il faut laisser les traces, il faut apporter. On dit qu'est-ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. On dit qu'est-ce qu'il a fait, c'est un expert, un joueur. Il y a des gens, leur don, c'est d'insulter les gens. Il y a des gens, leur don, c'est leur rêve, c'est de détruire les gens. Et la puce en se dérive. Il y a des gens qui ne donnent pas. Toute leur ambition, toute leur énergie, c'est de pouvoir détruire les gens. Toute leur ambition, c'est de détruire les gens. Tout leur rêve, c'est de pouvoir nuire. Comment je vais nuire à la vie de l'autre? Mon frère, tu n'es pas le maître de la nature. Tu n'es pas le maître. Toi, tu peux penser, mais le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. À même Dieu, même les gens qui sont mauvais, leur donnent aussi la possibilité de changer. Voilà. Dieu même, là, lui qui est maître de toutes choses, il y a des gens qui font des mauvaises choses, Dieu leur donne la possibilité de pouvoir changer et d'avancer dans la vie. Voilà, donc Dieu l'a mis dans l'amour. Ce n'est pas toi, ta haine et ta méchanceté que tu as. Cette méchanceté est haineuse parce que tu ne veux pas voir les gens se réjouir et tu as pensé que tu es le maître de la vie des gens. Tu vas vouloir merder les gens. Il y a une fait en toutes choses, tout compte fait, il y a une fait en toutes choses. Mais je vous demande votre énergie, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aider les gens. Avancez. Que Dieu bénisse. Alors, le prophète Kassou, comme je disais, j'ai réduit les activités depuis un moment. Pour ceux qui ne savent pas, tous les jeudis à Divo, c'est à partir de 12h de Divo, ça fait 14h de l'Europe, que je reçois au bureau là-bas. Voilà, grâce de Dieu. Tous les samedis, à partir de 18h, après la réception, bien sûr, samedi, j'ai des rencontres de délivrance. Voilà, donc, tous les samedis, délivrance en direct. Voilà. Alors, merci pour ce bon séjour. Vous êtes à Divo, vous n'êtes pas venu pour voir quelqu'un. La preuve, c'est que je suis en France. Voilà, je suis en France là. J'ai décidé de pouvoir apporter, n'est-ce pas, mon assiste, mon aide. Voilà, en tant que guide spirituel, en tant que le responsable premier de ce centre, en fait, d'apporter ma contribution par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. C'est pour ça que j'interviens, puisque de tout à l'heure, j'ai un culte, et je suis en droit de fonction à préparer le nouveau président. Voilà, par la grâce de Dieu. Tant que vous venez là, vous ne venez pas pour un homme, parce que Crasso n'est pas le sang de votre nom. Je ne suis pas celui-là qui a la guérison, qui la met en poche et qui distribue à qui je veux. Voilà, c'est votre foi. C'est qui vous a fait déplacer. Vous avez vu que Dieu se manifeste dans cette église, du moins dans cette, dans ce centre. C'est le centre premier, mais en même temps, c'est ce centre, il y a une église, qu'on appelle l'église Pentecôte ou Pentecôte internationale. Nous avons aussi un ministère qu'on appelle le ministère de la compassion de ça, donc MCA. Voilà. Donc, quand vous venez, voilà, vous ne venez pas pour un homme, vous venez justement pour rencontrer Dieu que nous prions. Alors, si vous avez foi en ça, vous verrez la manifestation de Dieu agir. Dieu s'en fout du temps, Dieu s'en fout, n'est-ce pas, de la distance. La preuve, c'est que je suis avec la technologie. Dieu merci. On peut même communiquer avec la technologie aujourd'hui. Avec cette technologie, je suis depuis la France, je suis en train de parler avec vous. Vous voyez, vous les sorciers, vous avez des baleines, vous voyagez. Vous avez des air. Vous avez votre avion, on ne voit pas, c'est dans la nuit. Ça. Vous êtes nuit, c'est balai. Vous seul. Votre air, c'est vous seul qui êtes là-dessus. Voici les gens qui ont fait Air France. Il y a beaucoup de gens en voyage, ça fait 6 heures. Nous, c'est beaucoup. Mais vous faites peut-être 30 minutes. Pourquoi votre air, vous ne transformez pas ça? Et puis, parce qu'on va venir une fierté pour l'Afrique. Mais, air, vous êtes nul. On est vers les terres. Tu traverses tout l'océan, passe indien,
la Méditerranée, tout ça. Le seul but est de chier dans la main. Fils qui a barré. Ou bien de ta fille qui a New York, tu vas chier dans sa bouche. Oui, au lieu de faire du bien, c'est de chier. Beau, beau. Mini, beau, mini. Tu chies sur lui. Beau, mini. Beau, mini. Tu chies sur lui. N'importe quoi, les sorciers. Que Dieu le sait. Vous êtes là-bas, hémorroïdes, les sorciers. La mémoire spirituelle, le feu là-bas. Je ne sais pas son nom, mais c'est le feu. On peut être dans la chorale du Seigneur et vous chier sur les bien-aimés dans le Seigneur qui sont à l'église, qui sont venus prier le Seigneur est merveilleux et ils sont le Seigneur. Toi, tu chies. Ah! C'est quoi ça? Comme si, il n'y a pas de bécile. Donc, il n'y a pas de frein là-bas ou bien. Il faut pas que tu couches. Il est exemple. Diarrhée là. Il n'y a pas couche. Il n'y a pas couche. Mais tu chies. Pendant que les gens sont en plein courant, en train de chanter. Le Seigneur merveilleux, le Seigneur merveilleux. Toi tu chies, toi tu comprends. C'est venu chier. C'est pas ça. Heureusement que Dieu t'a délivré. Il est béni le nom du Seigneur. Il y a une, le Seigneur merveilleux. Le prophète, elle prend le pasteur sa cravate, elle le dit comme ça, elle le met comme banni par des dents. Le pasteur au bout là-bas. Le pasteur doit prêcher l'évangile. Il est quelque part là-bas. Anis même qui sent là. Lui il est dedans là-bas, mais au fond là-bas. Hé frère. Hé petit. Et le pasteur sort de là-bas, il est envoûté. Il est envoûté. Il va prêcher quoi si tu es sorti là-bas. Tu as dit quoi à quelqu'un? Tu sors de là-bas, tu en tout ça, qu'il faut que nous prions pour que nos églises soient sous la protection de Dieu. Que Dieu protège nos églises. Que la main puissante de l'éternel soit sur nos églises. Amen. Et que le diable soit davantage humilié. Et que la gloire vienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Voilà donc que Dieu bénisse. Donc cet instant qui vous révèle, un ministère qui vous révèle les œuvres du diable, parce que nous mettons à nu les œuvres du diable, et la destruction des œufs du diable. Et ça, c'est beaucoup très important. Mettons à nu les œufs du diable et la destruction des œuvres du diable. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très, très important de vous expliquer ça. C'est le ministère qui révèle au monde entier les œufs du diable. Il y a des choses que les gens ne savaient pas. Comme j'ai l'habitude de dire, la sorcellerie existe. Alors, si elle existe, la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie? On dit, elle lance le sort. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé le nom. S'il vous plaît. Ça existe dans toutes les langues. La sorcellerie, c'est en français, s'il vous plaît. C'est en français, la sorcellerie, le mot sorcellerie, c'est en français. Mais dans ma langue, Yula, c'est Shubaga et Bété, c'est Bougnon. En Babylonie, Baïfoué. C'est-à-dire, dans toutes les langues, vous allez chercher, il y a tout le nom. Mais attends, quelque chose dont le nom existe dans toutes les langues de la planète Terre, c'est pour vous dire que ça existe. Donc, tu dis non, ça n'existe pas. Donc les gens, ils sont malades, quoi. Ils sont idiots de fabriquer un nom, de donner un nom à quelque chose qui n'existe pas. Écoutez, arrêtez vos histoires. Tout ce qui est un nom existe. Si on a donné un nom, c'est que ça existe. Tout ce qui est un nom existe. On ne peut pas s'arrêter sur l'existence de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plus de dégâts. La sorcellerie est plus dangereuse que l'Ebola. C'est plus dangereux que l'Ebola. Ça veut dire que ça détruit, c'est la génocide, ça détruit, ça peut distiller une famille. Même une nation, nous avons vu dans les villages, c'est que la sorcellerie a commis comme dégâts. Alors nous sommes dans une phase où nous révélons au monde entier que la chose existe. C'est vrai, le prophète Crasso, c'est un être humain. On peut peut-être avoir un problème personnel avec le prophète Crasso, mais le problème de la sorcellerie est là. C'est vrai, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie et ils sont rentrés pleinement dans le ciel de lumière. De la révolution industrielle. Nous n'avons pas peur de dénoncer le diable et de dénoncer ses œuvres. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il continue de vous bénir, que la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes en plein culte. Alors le thème de mon message ce matin, mon exhortation, bannis la frayeur. Amen. Bannis la frayeur. Dis à quelqu'un, bannis la frayeur. Bannis la frayeur. Bannis la frayeur. Dis à quelqu'un, bannis la frayeur. Bannis la frayeur. Amen. Vous savez ce qu'on appelle bannir? Ça veut dire quoi? Enlever ça. Bannir. Ça veut dire anéantir. Dans le bannir, ça veut dire quoi? Anéantir.
Quelqu'un dit ça. C'est-à-dire, quand il bannit, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire ça à ta place. Quand il est banni, là, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire ça à ta place. On dit toi-même, il faut bannir ça. La frayeur, c'est ce qui fait peur. On peut, la peur, la frayeur, quelqu'un peut t'effrayer, pourtant il ne fait pas peur. Vous êtes dans un couloir, quelqu'un peut rire. En étant enfant, on a vu ça. On te fait rire, puis ton cœur coupe, tu dis, oh, toi tu m'as effrayé. C'est ça la frayeur. C'est-à-dire le monsieur ou la personne qui fait croire qu'il est tout puissant. Or, en réalité, il n'est rien. Vous comprenez? Donc, il crée quelque chose dans ta tête. Et tu as peur. Et là où s'installe la peur, il y a un déséquilibre. Le stress fait que tu as toutes les maladies. Le stress fait que tout ce que tu touches ne lâche pas parce que tu marches avec une psychose, la peur. C'est cela que le thème aujourd'hui dit bannir la frayeur. L'élément que le diable utilise beaucoup, c'est la frayeur. C'est cela que par moment le diable aime beaucoup vous injecter les choses négatives. Je vais t'attaquer, je vais te détruire. Ça, c'est les paroles que le diable aimerait que tu captes. Et de plus avec cette psychose, je comprends que, ah non, mais non, regardez dans Esaïe 54. Esaïe 54, nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Esaïe 54, le verset 14, le verset 15. Esaïe 54, le verset 14, le verset 15. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie dans ce passage, parce que nous avons parlé de la destinée. Frère, nous sommes sur le chemin de la destinée. J'ai toujours dit aux gens, ne marchez jamais dans votre passé. Ne marchez jamais avec, ne soyez pas esclaves de votre passé. Si vous avez échoué hier, c'est demain qui est plus important. Dis amen. Amen. Demain qui est important. Tu as échoué hier, c'est demain qui est important. Demain, tu seras dans la grâce de Dieu. Alors, donc, ne marche pas dans, n'est-ce pas, les vivants. Ne sois pas esclave de votre passé. Le passé reste le passé. Mettez ça derrière et continuez votre chemin et vous aurez, une victoire demain. Parce que c'est plus important. C'est l'arrivée qui est plus importante. C'est ça que la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Esaïe 54, le verset 14 à 15. On y va. Je fais la lecture, s'il vous plaît. On dit, tu seras affermi par la justice. Il remercie parmi l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Le verset 15 dit, si l'homme forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Amen. Que Dieu bénisse. Vous savez, Esaïe, le prophète Esaïe, c'était l'un des plus grands prophètes qu'a connu Israël. Quelqu'un qui a prophétisé sur la naissance de Jésus, qui a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ, tout ça. Alors, à un moment donné, le peuple d'Israël, il y avait toutes sortes de problèmes. Le peuple d'Israël vivait toutes sortes d'atrocités, vivait toutes sortes de problèmes. Et puis, à un moment donné, la frayeur avait gagné le peuple. Vous savez, quand l'ennemi veut vous attaquer, c'est la communication. Le diable vient t'attaquer, parler même de ta vie, attaquer, il te crée une psychose, il crée quelque chose dans ta tête qui fait que tu as peur du lendemain, tu as peur. Or, une fois on a peur, on n'a plus le courage d'avancer. Une fois on a peur, on a plus envie d'avancer. Et Dieu dit ici, dans Esaïe 54, le verset 14, il dit, tu seras affermé par la justice. Frère, aussi longtemps que Dieu nous donnera le souvenir, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas censés, nous ne sommes pas parfaits. Mais à un moment donné de notre vie, nous devons prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer dans notre vie, dans notre marche avec Jésus. Et nous devons, chercher à nous améliorer en marchant selon Dieu. Tout compte fait, personne n'est juste sur cette terre. Dieu nous prend en tant qu'imparfait, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs, donc il ne veut plus être que nous sommes, et que nous transforme selon lui pour faire de nous les hommes meilleurs. Personne n'est parfait. La preuve, c'est que la femme qui avait qu'on avait attrapé d'adultère, on dit voici une dame tombée de la femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'on fait selon la loi? Il faut qu'on la tue. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, et c'est ça, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre sur elle, qui la tape avec la pierre. Pendant que Jésus-Christ là, il est en train d'écrire, pendant qu'il écrivait sur la terre, c'était un signe très fort, c'était même en train d'écrire dans leur mémoire, leur rappeler tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les gens, ils ne font que se condamner. Aujourd'hui, les gens ne font que blâmer. Aujourd'hui, les gens, ils ne font que blâmer. Eux, tous leurs trucs, ils condamnent. Pourtant, eux-mêmes,
c'est les plus grands pécheurs. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas parfaits, ils ne sont ni justes. Mais ils sont toujours prêts à condamner les gens, à vouloir détruire. Alors Jésus, même qui est né saint, qui est capable lui de dire, oui, moi je suis saint, donc je condamne avec vous cette pratique. Il dit, celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais commis de péché, jette la première pierre dans la culture. Chacun a réfléchi. Ah, hier là même, là, j'étais avec, tenez-vous, hein, quelque part là-bas, dans l'hôtel qu'on appelle Consonant, il était là-bas. Tenez-vous, hein. L'autre là-bas, il dit, ah, moi-même là, ce qui est fermé, il dit, bon, mais c'était trop grave. Chacun a dit, le monsieur là, il nous a eu, hein. Ils sont partis, un à un. Ah, donc vous êtes des pécheurs, vous voulez condamner les gens. Vous voyez, voici la nature humaine. La nature humaine, c'est de condamner les gens. La nature humaine veut bien. Or, celui-même qui est en train de condamner, expulser, peut-être, lui-même était le plus grand pécheur. Personne n'est mieux parfait. Alors, Jésus dit quoi? Dans le passage, je voulais dire quoi? Il dit, soyez affairés. C'est-à-dire, quand on marche avec Dieu, nous devons demander à Dieu de nous parfaire. À un moment donné de notre chrétienté, le Seigneur qui nous aide, n'est-ce pas, dans cette marche avec lui, qui nous transforme. Personne n'est juste sur cette terre. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider dans cette marche avec lui. Alors, il faut que Dieu nous transforme et nous amène à cette perfection. D'abord, pour vouloir, voilà, il faut beaucoup désirer la chose. Et tu verras le Seigneur agir. Il dit, soyez affermi. C'est-à-dire, quand tu marches selon les commandements de Dieu et que tu es convaincu que ce que tu es en train de faire, Dieu approuve, frère, si nous marchons selon la parole de Dieu, le diable ne pourra rien contre nous. Amen. Il ne pourra pas rien contre nous. C'est pas une question de grâce. Le diable pourra rien dire. Il dit, sois là, ferme pas la justice. Il dit, banni d'inquiétude. Alors, si tu marches selon la justice de Dieu, pourquoi s'inquiéter? On est inquiet parce qu'on se dit que demain sera grave. On n'a pas de solution. Il dit, banni l'inquiétude. Pour banni l'inquiétude. Banni l'inquiétude. Dis à quelqu'un, banni l'inquiétude. Banni l'inquiétude. On est inquiet. Il dit, banni ça. Il n'a pas dit, j'ai bien banni. Il dit, toi-même, il faut banni. Pourquoi tu penses que ça sera difficile? Pourquoi tu penses que c'est ce que tu penses n'est pas forcément vrai? Tu dis non, il faut que je sois réaliste, je suis un être humain, ce que je vois en tant qu'humain, c'est difficile. Mais au-delà de ça, il y a le spirituel. Un être humain qu'on appelle Dieu, à qui tu as confié ta vie, donc tes limites là, lui devient le grand signal où ta main, c'est, ta main est limitée, c'est là-bas comment ça forge. Amen. Donc, pour plus t'inquiéter, tu as fait ta part. Il dit, pas ni d'inquiéter. Bannissez l'inquiétude, les menaces que le diable est en train de vous faire. Le diable vous menace. Bannissez cette inquiétude. Tout compte fait, le seul mot revient à Dieu. Amen. Le seul mot revient à Hachem. Le Dieu d'Israël, Baruch Hachem. Lui seul, au moment où les gens se liguaient contre Israël, au moment où les gens ont décidé de nuire à la vie d'Israël, au moment où l'armée de Pharaon a dit, nous avons cette force, lui, ils avaient la force, ils étaient déterminés, ils avaient cette force, ils pouvaient les écraser dans le désert, face à la mer Rouge. Il n'y a plus d'issue, frère, il n'y a plus d'issue. Regardez cette exemple, il n'y a pas d'issue, c'est la mer, l'océan, à perte de vue. C'était difficile. Le diable, il utilise sa force, sa stratégie, il dit, je le regarde, je peux le détruire. C'est ça que tu penses. Mais tu ne sais pas que derrière ce temps, il y a un Dieu. C'est comme ça que Moïse a regardé. Il a commencé à intimider le peuple d'Israël. Il a commencé à sous-estimer, il dit, mais vous n'êtes que bien, vous n'êtes que des petits plaisantins. Mais ils ont bien une seule chose. Ils étaient plaisantins pour le confondre. Dieu va prendre un enfant, un gamin pour le détruire. Alors, tant que les gens qui pensent qu'ils sont arrivés, ils peuvent vous détruire, ils ont menti. Ils ont menti. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut bannir cette frayeur. Il dit, bannir l'inquiétude. Pourquoi tu inquiètes? Pourquoi tu inquiètes? Il dit, bannir l'inquiétude. Amen. Il dit, bannir l'inquiétude. Claire, tu n'as rien à craindre. Dieu dit, tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu as peur? Non, j'ai dormi. J'ai vu que mes pieds, là, ça peut être chez les dents. Dès qu'ils ont commencé à manger ça, manger avec les genoux. Alors, tu as tiqué. Hein? Et les nuages, vous voyez, toi-même, tu as déjà mis dans ta tête qu'ils vont manger avec les gamins. Mais tu donnes raison à. Oui, Kwame va, il te mange. Mais tu Kwame, le Kwame va. Kwame est son bar. C'est ça, non? Kwame va. Tu donnes raison à Kwame va, tu manges sauce claire,
aubergine avec Futuma Nia à te manger. Quand tu penses que tu as prié le Seigneur, et tu penses que Dieu t'a rien à créer, si tu pries Dieu et que tu n'as selon la parole de Dieu, et que toi tu n'as rien à te reprocher, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais tu sais que ta relation avec Dieu va, tu as tout réglé maintenant avec Dieu, il dit, bannis l'inquiétude et bannis la frayeur. C'est vrai que les gens venaient, c'était difficile de croire. Il dit, bannis la frayeur. Bannissez la frayeur. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Celui qui donne la force, c'est Dieu. Celui qui a le dernier mot, c'est Hachem. Bannissez ça. Voilà. Bannissez la frayeur. Amen. Il n'y a rien à craindre. Dieu ne peut pas craindre. Pourquoi tu crains? Vous pensez que la délivrance vient d'un homme, c'est un homme qui peut vous délivrer d'une situation quelconque. Non, c'est Hachem. C'est Dieu seul qui peut vous délivrer d'une situation. Et donc, quelle est ton attitude vis-à-vis d'une situation? Il dit bannir la crainte. Il faut bannir la crainte. Il ne faut pas avoir peur. Puisque tu as confié au Seigneur. Il dit bannir la crainte. Il a dit quoi ici? Il dit, quand la frayeur, et la frayeur n'approchera pas de toi. C'est-à-dire que ceux dont tu as peur, le sorcier, qui veut que avec la sauce tiki-tiki, avec la sauce bala, il ne viendra plus te manger. Amen. Amen. Car la frayeur n'approchera pas de toi. Ça n'arrivera pas de venir. Si seulement tu crois dans cette foi, si tu crois, les choses iront mieux. Ils vont fermer ton entreprise. Ils vont vouloir faire ça. Ça, c'est vrai. C'est humainement parlant. Mais si tu as la foi en Dieu, Dieu changera la situation. Dieu fera tout. Fera ce que tu ne marches pas. Voilà. Dieu opérera le miracle de la guérison. Dieu opérera le miracle de la transformation. Amen. Avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça qu'il faut croire. Il faut croire son lendemain, il faut croire son devenir, il faut croire la puissance d'Hachem, il faut croire la puissance de Dieu qui est capable d'agir dans notre vie. Ne marchez jamais avec la peur et la frayeur. Peu importe l'intimidation. Le diable aime beaucoup de travailler avec l'intimidation. Le diable aime beaucoup de travailler avec la frayeur. Il aime beaucoup, peu importe ce qu'il fera. Si vous avez Dieu dans votre vie, peu importe que les gens croient que vous n'avez pas Dieu, ça n'engage que eux. Ils ont certainement essayé de vous attaquer. Ça n'engage que eux. Ça, ils vous saignent. Mais à un moment donné, Dieu souvent expose. Dieu permet que souvent les situations dures parce qu'il a envie d'éclater sa gloire. Il traînait les choses dans le désert. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu dans la ville de Israël. Bannis la peur qui t'anime maintenant. Bannis cette frayeur qui t'anime maintenant. Bannis tout ça. Tu n'as rien à craindre. Remets ton soin à Dieu. C'est vrai que tu as quelque chose de difficile. Et toi, tu penses que humainement parlant, il n'y a pas de solution. Mais si, en Jésus, il y a la solution. Si, avec Dieu, tout est possible. Si, Dieu peut faire encore quelque chose pour toi. Si, il peut encore venir là pour toi. Il faut seulement t'accrocher à la puissance de Dieu. Il faut seulement s'accrocher à la gloire de Dieu. Et tu verras la main de Dieu agir. C'est tout. À tes résolutions répondra le succès. Bannis la peur. Amène ça dans ta tête. Il ne faut pas vivre avec ça. Oui, hier. Mais hier, c'est hier. Mais hier, c'est aujourd'hui. On entend les partout dans la vie. C'est les mecs les plus importants. Il faut bannir ça. Pourquoi tu peux toujours vivre avec ton passé? Il y a des gens qui pensent que non, moi, mes jumelles, ça ne va jamais marcher. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Pourquoi tu peux penser comme ça? Pourquoi tu peux penser comme ça? Pourquoi? Mais tu ne fais pas confiance à Dieu. Maintenant, encore peut-être que c'était avec Dieu, non, j'allais à l'église. Mais tu allais à l'église. Est-ce que tu avais vu ta vie en ordre vis-à-vis de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que tu avais réglé ta vie vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu avais mis ta vie en règle? Est-ce que tu avais réglé ton problème? Est-ce que tu avais réglé tes choses avec Dieu? Est-ce que tu avais mis en ordre? D'autres personnes viennent en prie pour eux. Les mecs, ils ont la même. Il y a des choses qui les mettent. Ils pensent que non. Ah, non, si vous marchez selon Dieu, y compris pour vous, que vous continuez de marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand un démon sort, il va. Et après, si vous n'êtes pas ancré dans la puissance de Dieu, sous la couverture, la protection de Dieu, il revient encore. Et la seconde condition devient pire qu'encore. La seconde condition devient pire qu'encore. Alors, ce que vous devez faire, c'est de demeurer dans le Seigneur. Si vous demeurez dans le Seigneur, rien ne pourra vous arriver. Il dit, tous ceux qui se ligueront contre toi, tu verras ce que vous voyez. Liguer, ça veut dire quoi? Quand on dit liguer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent et décident de nuire. Leur pouvoir, ça veut dire leur rêve, c'est que tu sois à terre. Et ils mettront tout en œuvre. Ils créeront tout. Mais toi,
Garde ta sérénité avec Dieu. Garde ta sérénité avec Dieu. Malgré les menaces de Goliath, David est resté serein. Je connais telle personne, je fais ça, je sais faire ça. Ça s'engage que toi. Ça s'engage que toi. Hachem t'aidera à avancer. Hachem t'aidera à aller là-haut parce que c'est plus important. Voilà. Il faut t'accrocher à Hachem, il faut s'accrocher à sa puissance. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Si tu veux te... Voilà, donc c'est ça qui est le plus important. Amen. Amen. Voilà, donc accrochons à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Comptons sur lui. Espérons en lui. Ayons le regard fixé sur lui. Peu importe la situation qui va se présenter à nous. Peu importe. Et frère, ce n'est pas un homme qui viendra avoir foi en toi. Ton avenir dépend de ta foi. Ne dis pas aux gens, c'est vrai. Non, celui qui vient dit, c'est vrai. Lui, ta vie, il a échoué. Les gens qui te voient, ils pensent que tu as échoué. Donc, ils ne viennent pas dans le sens de t'aider. Ils viennent même dans le sens même de t'affecter, de faire servir la situation. Vous dites, c'est fini pour toi. On va voir comment tu vas t'en sortir. Est-ce que c'est un homme qui fait sortir quelqu'un d'une situation? Est-ce que c'est un... Non. C'est Dieu qui fait sortir une personne d'une situation. Il y a des situations les plus tragiques. Il y a des gens même qui ont pris, qui étaient dans la voiture, dans une voiture. Il y a eu des accidents graves. Ils se sont sortis. On pense à n'importe quoi. Toi, tu es sorti de là. Oui, c'est ça la main de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit qui est forcément ce qui doit nous arriver. Si Dieu est avec nous, tout ce que les gens feront contre nous n'aboutira jamais. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Alors, ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Bannissez la peur. Ne marchez pas avec cette peur. Le lendemain, qu'est-ce que le lendemain me réserve? Qu'est-ce qui m'arrive demain? Qu'est-ce que j'aurai demain? Mais tu seras bien demain si tu veux. Amen. Tu peux bien demain si tu veux. Amen. Si seulement tu veux. Et que tu comprends que c'est Dieu qui marche avec toi. Et que tu comprends que cette petite maladie, c'est une petite maladie, ce n'est rien. Une petite maladie que Dieu peut guérir. Amen. Dieu peut te guérir de ça. Ne pense pas, ah non, on dit c'est un enveloppement. Mais enveloppement, quel est l'enveloppement? C'est Dieu qui a mis l'enveloppement. Est-ce que tu en as ta foi ça? Oui, mais ça doit durer. Ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps n'existe pas, ma vie, la spiritualité. Mon problème a trop duré, mais ton point a trop duré, mais sans faire confiance à Dieu. Ça a duré, mais tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Ça peut durer, mais ton état, tu s'en fous du temps. Comment tu gardes ta foi? Peu importe le temps que ça mettra le combat, mais garde ta foi en Dieu. Et ne vous laissez jamais intimider. Ne vous laissez jamais effrayer. Cette frayeur, bannissez ça. J'ai compris. Le diable, il utilise la stratégie de la peur. C'est pour ça qu'on appelle le lion. Le diable est comme un lion. Peu importe, vous savez, peu importe les gens qui se lèveront contre vous, peu importe les gens qui décideront de vous donner, peu importe leur nom. Ce n'est pas le nom des gens qui comptent, ce n'est pas les relations des gens qui comptent, mais c'est la puissance de Dieu avec toi. Israël est le peuple le plus menacé de la planète Terre. Israël est le peuple qu'on combat tous les jours. Israël est le peuple que les gens cherchent à exterminer. Mais regardez Israël aujourd'hui. Israël, le peuple que les gens cherchent à exprimer, mais le peuple d'Israël avance. Plus tu vois une étoile, plus les gens cherchent. Si vous n'êtes rien, les gens vont bien vous faire. Les gens, ils savent ce que vous êtes, c'est ça qu'ils veulent vous nuire. Ils savent ce que vous êtes, vous représentez. J'ai toujours posté hier, lui, j'ai dit, les gens peuvent éteindre la lumière de ta chambre, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière de ton étoile, parce que son interrupteur sent la main de Dieu. Son interrupteur, la main de Dieu. La chambre qui vient de l'éteindre, dans mon étoile, son interrupteur entre la main de Dieu. Votre interrupteur de votre étoile est comme la main de Dieu. Amen. Celui qui vient n'a pas de c'est comme Dieu vient de nous. Peu importe, même si tu étais tombé hier, Dieu dit relève tout. Et les gens chez eux, quand ils rêvent, c'est de la sorcellerie. Leur rêve, c'est d'aller sur Facebook, page Facebook. Malheureusement aujourd'hui, heureusement pour ceux qui l'utilisent, pour avancer. Malheureusement, il y a des gens, eux, leur, ils vont regarder leur petit article. Quand vous êtes content sur Facebook, ça les énerve. C'est pas ceci qui ça. Et puis là, ils vont se retirer, ils vont même manger glace. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont glacés, ils mangent. Ça énerve ton ceci. Hein? T'attends, ils mangent un poulet. Poulet, ça va être. Pourquoi même? Dites-moi aux gens, pourquoi?
Pourquoi vouloir détruire la vie des gens? Oui, je détruis. Mais quand tu dis détruire, c'est une énergie que tu dégages, que tu retourneras contre toi. Si tu as cette force-là, faut t'en penser les mots. Alors, bannissez la peur. En conclusion, bannissez la peur. Si vous n'avez rien à peur, c'est-à-dire bannissez la peur. Bannissez. Enfin, amène cette peur dans ta tête. Est-ce que demain va marcher? Si demain marchera, mais avec qui? Ça va être Dieu. C'est pas un homme. L'homme, il ne fait plus. Il ne fait plus rien pour moi. Et les gens décident de ne plus rien faire pour moi. Mais Dieu décide de faire quelque chose pour toi. Et si tu te donnes l'homme qu'il faut pour t'aider, c'est Dieu qui décide, frère. Dormez, réveillez-vous. Avant de dormir, confiez-vous à Dieu. Avant de vous réveiller, confiez-vous à Dieu. Peu importe. Mais demain, les gens qui vous combattent rendront témoignage de leur échec. Vous posez la question. Comment on a pu échouer? Pendant que vous combattez la personne se confie à Dieu. Et c'est vous qui cherchez avec lui, la confie à Dieu. Quand tu dis Seigneur, mes ennemis, je les confie. Ceux qui me combattent, je les confie. Dieu agira. Dieu agira. Les gens souvent se sont tombés que ce qu'ils voulaient là, ça n'arrive pas. La personne que vous combattez, elle confie ses choses à Dieu. Seigneur, agis dans ma vie. C'est comme ça, toi, frère. La sorcellerie, ce n'est pas le pouvoir crasseux qui va te protéger comme ça. C'est toi-même, ta foi en Christ, qui t'amènera cette protection. Amen. Si tu crois la puissance de Dieu, si tu crois la puissance de Dieu, non, ne fais que prêcher la parole de Dieu. Non, ne fais que prier pour toi. C'est à toi de mettre la parole de Dieu en pratique et de marcher selon lui. Si tu marches selon lui, tu auras cette protection de Dieu. Amen. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, venez de te protéger. J'ai quel pouvoir? Le pouvoir revient à Dieu, celui qui est souverain, celui qui a la puissance. Quand tu quittes la puissance, qu'est-ce que tu fais après? Hein? On ne peut pas mélanger les choses, les mêmes choses. Suivre Satan et suivre Dieu, ce n'est pas possible. Ou tu choisis de suivre le chemin de Dieu, ou tu choisis de suivre Satan, ou tu quittes carrément le chemin de Dieu, ou tu as de marcher avec Christ, pour que Dieu Seigneur continue de te bénir. Alors, soyez bénis ce matin. Ce que je veux retenir, c'est de bannir la frayeur. Bannir la frayeur. Bannissez ça. Voilà. Ne pensez plus d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas du demain. Le lendemain appartient à Dieu. Comment vous allez vous marier? Comment vous allez? Tout ça appartient à Dieu. Tu as peut-être réfléchi à beaucoup de choses. Ok? Mais Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Amen. Il t'aidera. Si tu fais confiance à Dieu et que tu crois qu'il agira, il devra agir. Pour pas que ta foi ne marche pas avec les défaites la dernière fois. Hier, ne marchez pas. Et marchez avec les gens qui peuvent vous aider. N'allez jamais écouter les choses négatives qui vont affecter votre foi. Marchez toujours avec les gens qui peuvent vous stimuler, vous fortifier, vous aider dans la foi, vous encourager dans votre foi. Évitez de marcher avec les gens qui vont affecter votre foi. Évitez toujours de marcher avec les gens qui cherchent à nuire la vie des gens. Quand vous marchez avec les gens qui cherchent à nuire la vie des gens, vous êtes dans une confusion. Car ce n'est pas toi que tes enfants payeront. Alors, pour vous dire un mot, bannissez la peur, bannissez la frayeur, votre destinée entre la main de Dieu. Si vous avez foi en Dieu, vous verrez la main de Dieu se manifester. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Ici, il est déjà 14h, c'est ça le problème avec vous. Il est 14h, 12 minutes, ça veut dire, dans quelques heures, je dois aller à l'église. Voilà, c'est ça le problème, dans quelques heures, je dois aller à l'église. Ici, le culte a déjà commencé à parler. Voilà, moi, je serai là dans quelques heures, voilà, prier. Mais tout à l'heure, quand je reviendrai, je ferai une délivrance. Après, Abraham, s'il te plaît, aujourd'hui, organise-toi de telle sorte que le soir, je puisse faire la délivrance de certaines personnes qui seront là. Voilà, hier, on voulait faire la délivrance. Il y a eu un souci technique. Voilà, donc que ce soit. Donc, j'ai deux cultes. Voilà, j'ai deux cultes à la fois. Donc, ce soir, tout à l'heure. Donc, levez-vous que je prie pour vous. Levez-vous que je prie pour vous. Mettez la main sur vos têtes. Tu vas pleurer la grâce et la puissance quand même de Jésus-Christ pour vous. Oh, je te prie, notre Dieu. Créateur du ciel et de la terre, unique vrai Dieu, en qui nous avons foi, dont nous croyons que tu es capable d'agir et de manifester. Je vais entendre briser
le pouvoir de la sorcellerie. Je veux détruire toute œuvre, briser toute œuvre de la sorcellerie et des ténèbres sur la vie des gens. Et que ceux qui influencent leur vie, Seigneur notre Dieu, toute cette sorcellerie soit brisée. Donne la victoire sur les yeux des ténèbres. Ne permet pas à leurs ennemis d'avoir raison sur eux. Confond leurs œuvres. Que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus que je prie, dis Amen. Amen. Ce soir, nous allons reprendre. Voilà, nous allons reprendre. Uniquement que la délivrance ce soir. Croyez à cette prière. Croyez à cette prière. Ayez foi en ça. Vous allez voir que le Seigneur, les choses vont changer tout à l'heure dans votre vie. Vous verrez que la puissance de la main de Dieu, vous verrez que la main de Dieu consommera beaucoup de choses dans votre vie tout à l'heure. Croyez à cette main de Dieu. Croyez à l'intervention de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et tout ça. Il y a assez de sorciers là. Quels sont ceux qui sont sorciers dans la salle? Et la seule personne, c'est uniquement que les enfants, c'est ça, maman. Celui qui a t-shirt jaune là, tu as quel âge? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. 15 ans. Il y a quoi? Celui qui a côté là, c'est qui? Il n'a pas dit. Tu as quel âge? Il y a 15 ans. Hein? 15 ans. Dans le micro à l'autre. Dans le micro à l'autre. En jaune, celui qui est en jaune là, donne-lui le micro. Vous demandez. Les autres petits, allez derrière là-bas, le pasteur va faire des livres. Tu es sorcier? Oui, avant. Attends. Comment tu t'appelles? Kwame Kan Salomon. Hein? Kwame Kan Salomon. Kwame Kan Salomon. Oui, avant. Tu es venu avec qui? Ma maman et ma tante. Ils sont où? Elles sont assises derrière moi. Ma maman, elle est où? Ta tante, c'est madame. Où est-elle? Viens. Demande. Je vais vous rapidement. Le temps, c'est attends, je recule un peu. Ouais, ça va. Vous êtes venus ensemble? Oui, après. Prenez le micro. Vous êtes qui pour lui? Moi, c'est mon neveu. Ses parents sont où? Sa mère est là. Ok, je veux l'entendre. Viens pas. Bonjour madame, comment vous appelez? C'est la famille Aounadej. Qui est pour vous l'enfant? Qui est pour vous l'enfant? C'est mon fils. Pourquoi vous avez honte de parler? Il est votre fils. Oui, papa. Biologique, c'est vous qui l'avez mis au monde. Oui, papa. Oui, mais pourquoi ce gène? C'est vous qui l'avez envoyé au centre? Oui. Hein? Oui, papa. Mais parlez avec conviction. Moi, je veux voir. Parce que j'ai pas assez de temps, si tu le fais. Donc, ce petit temps-là, il faut parler vite, avec conviction. Oui, papa. Tu parles avec beaucoup de réserve. C'est vous qui l'avez envoyé? Oui, papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez vu en quoi lui? Pas spécial. Sorcier. Il est sorcier. Viens, papa. Comment vous avez su ça?
Comment tu as su ça? Moi, tu ne comprends pas français. Comment tu as su qu'il y a des soucis? Papa, c'est ici. Parce que les gens dirigent, il faut parler, il faut parler. Dans le micro, l'enfant. Alors, vous êtes sorcier, petit? Là-bas. Vous êtes sorcier, c'est ça? Là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a tué les gens. Tu as tué les gens? Là-bas. Tu as tué combien? 345 personnes. Hein? 345 personnes. 345 personnes, c'est ça? Bien. Wow, ça veut dire que tu n'es pas un petit sorcier. Hein? Bien. Ok. Vous êtes combien dans la confrérie? Vous êtes combien dans votre confrérie là? Vous êtes combien? Nous sommes 15. Vous êtes 15? Là-bas. Ok. Tu viens d'où? Je viens de Yamsoukou. Hein? Yamsoukou. Vous êtes 15. Et toi, tu joues quel rôle dans la confrérie? Tu joues quel rôle? Voilà, moi, c'est le chef. À 15 ans, tu es chef de sorcier. Là-bas. Tu fréquentes? Là-bas. Tu es en quelle classe? 6e. Tu es en 6e. Là-bas. Et tu es en quelle? Tu as pris quelle année? Il reprend la classe. Tu passes en 6e. Là-bas. Et toi, tu es chef de sorcier. Là-bas. Et tu as tué combien? 345 personnes. 347 personnes. Comment tu les tues? Bah, j'ai renversé des cas. Tu renverses des cas? D'accord. Comment tu fais? Quand le cas arrive, il me transforme en chat. Puis il passe vite devant le camion. Puis ça se renverse. Quand le cas vient? D'accord. Tu te transformes en un chat. Là-bas. Et tu passes devant le cas. Là-bas. Et comme ça, le cas il tombe après. Là-bas. Un cas. Ça te fait quoi de voir un cas renversé? Ah, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Tu viens comme? Je viens en hyper bien. Un cas se renverse et toi tu es content. C'est ça? Oui, avant. Tu n'as jamais regretté ça? De voir les gens mourir? Non, avant. Tu as renversé combien de cas? Il a renversé. Mais il y a un secours là-bas. Il y a là-bas. Ok. Tu peux me dire le nom des gens que tu as tués, dont les parents le savent aussi. Tu as tué qui comme ça? Ouais, tu es ma grand-mère, c'est que mamie dit là. C'est ma grand-mère. C'est elle qui m'a mis dans la sorcellerie. C'est elle qui l'a tué. Ah, celle qui t'a mis dans la sorcellerie, tu l'as tué. Là-bas.
C'est un enfant terrible. Elle a initié toute la vie avec elle. Et tu as tué qui encore? Un membre de ta famille. Ah, il a tué mon grand-père. Je t'écoute, je suis pris par le temps. Aïe, tu es mon grand-père. Je dois aller à l'église. Toi, c'est les déas, son attitude. Yawa. Eh bien, il y a Dieu. Et tu as gâché quoi? Tu as gâté quoi? Et gâté la vie de mon père. Hein? Et gâté l'argent de mon père. Tu as gâté l'argent de ton papa, comment tu as fait? Yawa, qui me donne l'argent? Il prend, il aller dans le monde là-bas, il met la canarie, il prie dessus, il dit au père, si mon père gagne là, tu n'as qu'à venir ici. Tu prends son argent, tu mets dans le monde la sorcellerie, je garde ça. Y'a va. C'est ça? Y'a va. Il dit qu'il ne faut plus avoir l'argent, c'est ça? Y'a va. Et donc elle n'a pas la raison, toi tu es content. Comme ça, tu manges de la vie. Tu manges quoi? Ah, il mange l'homme. Hein? Il mange l'homme. Tu manges l'homme, ça c'est en sorcellerie, ça tu manges l'homme. Yeah. Et quand tu manges la chair humaine, c'est où? Yeah. Tu as rien gâté la vie de qui? Ton papa et qui d'autre? Et maman. Elle est venue à Tiki. Elle est ici. Qu'est-ce que tu as gâté chez ta maman? Ah, elle m'a dit qu'elle est chier. Comment on appelle caca en baoulé? Bi. Hein? Bi. Bi. Yeah. Non, c'est trop joli. Bi quoi? Sorcellerie là. Le sorcier là. Bye bi. Caca le sorcier là. Hein? Bye bi. Qu'est-ce que tu fais dans Kéké? Non, quand les gens mangent la Kéké, les gens fuient, ils mangent des babies ou tout ça, ils fuient. Yeah. Et donc, ta maman, tu chies dedans? Demandez en Kéké, c'est ça, madame? Yaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ça ne marche pas. Ça marche pas ou mais ça marche plus. Papa, ça marche plus. Ça marche tiens bon. Ça marche encore. Mais pourquoi vous avez. Pourquoi vous avez peur de rien? Vous êtes mis en train de prier pour vous. Vous êtes chrétien? Et papa. Vous priez vous? Dans quelle église? Mi-père. Mi-père. Église mi-père. C'est tout ce que tu as fait par maman? Non, c'est. Ouais, il y a moi, c'est ça. Yeah. Madame Yako, viens là, il couche avec elle. Quoi là? Va, il couche avec elle. Tu as procédé, hein? Tu couches avec ta maman. Viens là. Ça va, ma fille? Oui, yeah, ma. Tu sais que tu as mis un serpent dans le ventre de ta maman? Oui, yeah, ma. Tu lui as dit ça? Non, ma. Tu lui as jamais dit ça? Oui, yeah, ma. Et pourquoi?
Allez, c'est lui dire. Pas bon. Ça va bon comment? Comment tu t'appelles? Voilà. Moi, c'est quoi, c'est mon Rachel? Non, je parle d'elle que je suis à côté. Papa, c'est quoi, mais Aounadej? Mais dans les secondes que je crie pour toi, que la puissance de Dieu te délivre de ce problème. Et je crie que la puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, je commande. Reste-le. Reste-le. Voilà quelqu'un. T'avais dit quoi, quelqu'un? La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Commande au nom de Jésus du Nazareth. De son ventre. Il est son ventre. Crie. Feu. Feu chez toi. Brise ce pouvoir. Brise ce pouvoir. Je détruis cette présence des ténèbres. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que soit la délivrance par la puissance du nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. J'ordonne à cet esprit des ténèbres en toi. Et qui dit au nom de Jésus, sors d'elle. Sors la puissance de Dieu. Sors d'elle. Je brise ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissante nom de Dieu te délivre maintenant. Tu ne seras plus, n'est-ce pas, à la merci de la sorcellerie. Tu ne seras plus à la merci de la sorcellerie parce que Jésus te délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance sur tous les plans au nom de Jésus. Ton âme, ton corps et ton lien quand tu expérimentes la puissance de la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois cette délivrance. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Expérimente la puissante nom de Jésus-Christ. Expérimente cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je brise, j'entends de partir. Allez, tu sortais. Tu la libères au nom de Jésus-Christ. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. La main puissante de Jésus-Christ pour venir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre, sauve ton âme. Jésus te délivre, sauve ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus te sauve maintenant. Dans le micro, petit. Tu avais programmé ma résidence hier, c'est ça? Oh yeah. Tu l'avais déjà dit ça? Oh non. Elle est partie, ça. Elle devait mourir dans le mois de septembre. Là-bas. Ok. Mais pourquoi tu es si méchant comme ça? Pourquoi ta sorcellerie t'amène à détruire comme ça? Tu veux délivrer? Là-bas. Tu veux délivrer? Okay. Là-bas. Délivrer de quoi? Il est invité dans la sorcellerie. Dans le micro à quelqu'un, la puissance de Dieu, je commande à cet esprit. Je prie la puissance de Dieu, je commande à ce démon de la sorcellerie. Et au nom puissant de Jésus, je commande à ce démon qui anime ta vie. Je commande à ce démon qui te pousse à renverser les cas. Je commande à ce démon qui te pousse à nuire la vie de tes parents. Je commande à ce démon qui t'amène à sortir de ton corps. Sors et cache-le. Sors de lui. Dégage. Voilà, sors. Allez, sors. Sors de lui. Je commande. Allez, le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres, la puissance dans le Dieu. Consume tes œuvres. Libère-le. Au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. La puissance de Dieu, détruit tes œuvres dans son corps et dans sa vie. La puissance du nom de Dieu détruit tes œuvres dans son corps et dans sa vie. Allez, lâche-le. Dégage. Allez, dégage. Voilà, sors. Va-t'en.
Lâchez-le.
feu sur toi. Le feu sur toi, depuis qu'il vaut le feu Saint-Esprit consume tes œuvres. Depuis qu'il vaut le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu détruit tes œuvres. La puissance de Dieu détruit tes œuvres. Tu n'es pas la puissance de Dieu. Lâche-la. Tu cherches cet esprit de mort attaché à ton âme, à ton esprit. Sors. Allez, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, lâche-la. Au nom de Jésus, lâchez-la au nom de Jésus. La puissante main de Dieu te délivre maintenant. La puissante main de Dieu te libère. Le feu consume tes œufs. Et la main de Dieu te libère maintenant. Que ce soit la grâce et la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La main puissante de Jésus-Christ te visite. La main puissante de Jésus-Christ te restaure. La main puissante de Jésus-Christ t'accorde la délivrance. Et reçois cette main de Jésus-Christ sur ta vie. Reçois cette main de Dieu. Reçois ta délivrance. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la. 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 Oui, au nom de Jésus. Allez, sors. 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 Sors.